Le contrôle des Rothschild. Liste des banques détenues et contrôlées par les Rothschild. De plus en plus de gens commencent à comprendre que 99% de la population mondiale est contrôlée par une élite du pourcentage restant. Mais qui contrôle cette élite de 1%? S'agit-il d'une simple théorie de conspiration qui attribue ce rôle à la famille Rothschild? En effet, la famille Rothschild semble littéralement tout dominer, même l'élite du 1%. Examinons donc cette affirmation à la lumière de la liste suivante. Cette liste, du moins, devrait être irréfutable. Elle n'énumère que les banques détenues et contrôlées par les Rothschild. Attachez vos ceintures. C'est parti. À la lumière de ces faits, on peut au moins comprendre l'affirmation selon laquelle, en coulisses, la dynastie Rothschild est sans aucun doute la famille la plus puissante de la Terre. Leur richesse estimée s'élèverait à 500 billions de dollars. Aucun être humain ne peut rationnellement comprendre ce chiffre, car 1 billion est égal à 1 million de fois 1 million. 500 billions de dollars serait alors 500 millions de fois 1 million de dollars, donc un 5 avec 14 zéros. Bien évidemment, il est impossible de prouver de manière pertinente cette somme estimée. Avec des actifs de cette ampleur, ce patrimoine se comporte comme les bas-fonds de l'océan. Il est à la hausse et à la baisse à tout moment, dans des proportions incroyables. La Federal Reserve Bank et l'Internal Revenue Service, IRS. Le fait que la US Federal Reserve Bank soit dans des mains privées est pratiquement inconnu du grand public. De même, le grand public ignore que la Fed se trouve sur un terrain qui lui appartient et qu'elle est protégée par les lois américaines.
Cette société privée imprime l'argent pour le gouvernement américain, qui lui verse des intérêts pour cette faveur. La Fed est à son tour contrôlée par les dynasties Rothschild, Rockefeller et Morgan. L'ensemble des États-Unis est donc endetté envers la Fed. En outre, la plupart des personnes vivant aux États-Unis n'ont aucune idée que l'Internal Revenue Service, IRS, est une autorité étrangère. Plus précisément, l'IRS est une société étrangère privée du Fonds monétaire international, FMI, et elle est l'armée privée de la Federal Reserve Bank, Fed. Son objectif principal est de garantir que les Américains payent leurs impôts et soient tous de bons petits esclaves. En 1835, le président américain Andrew Jackson a déclaré son mépris pour les banquiers internationaux. Vous êtes une fosse pleine de serpents et de voleurs. J'ai décidé de vous exterminer. Par Dieu Tout-Puissant, je vais vous exterminer. Si seulement les gens comprenaient l'injustice abominable de notre système monétaire et bancaire, nous aurions une révolution avant demain matin. Il s'en est suivi une tentative ratée d'attentat contre le président Jackson. Jackson avait dit à son vice-président, Martin Van Buren, « La banque, Monsieur Van Buren, essaie de me tuer. » Ce sera le prélude d'une série d'intrigues qui marqueront la Maison-Blanche pendant encore des décennies. Les présidents américains Lincoln et John F. Kennedy ont tous deux été assassinés dans leur tentative de libérer le pays des banksters. Les mégabanques du monde. Il y a deux mégabanques qui offrent des prêts à tous les pays du monde. La Banque mondiale et le FMI. La première est détenue conjointement par les plus grandes familles de banquiers du monde, les Rothschild en tête, tandis que la seconde est entièrement détenue par les Rothschild. Ces deux mégabanques offrent des prêts aux pays en voie de développement et utilisent leur taux d'intérêt presque impossible à rembourser pour s'emparer de la prospérité réelle, les terres et les métaux précieux. Mais ce n'est pas tout. Une partie importante de leur plan est aussi d'exploiter les ressources naturelles d'un pays, comme le pétrole ou le gaz, avec l'aide des sociétés qui leur appartiennent en secret, de les raffiner et de les revendre au même pays, en générant d'énormes profits. Mais pour que ces entreprises puissent fonctionner de manière optimale, elles ont besoin d'une infrastructure solide, qui manque généralement dans les pays dits en développement. Ainsi, les banksters qui offrent eux-mêmes des prêts presque impossibles à rembourser, s'assurent à l'avance que la majeure partie de l'argent soit investie, vous l'avez deviné, dans des infrastructures. Ces négociations sont menées par des tueurs économiques qui réussissent en payant à ceux qui peuvent vendre leurs terres une jolie rétribution, c'est-à-dire un pot de vin, ou sinon en les menaçant de mort. Pour plus d'informations à ce sujet, on peut lire le livre « Bekenntnisse eines Ökonomiehitmann », en français « Les aveux d'un tueur économique ». L'une des banques qui contrôle tout, la Banque des règlements internationaux, BRI, dont le siège est à Bâle, est manifestement contrôlée par les Rothschild. Et son surnom est « la Tour de Bâle ». Le vrai pouvoir des Rothschild va bien au-delà de l'empire bancaire. Si vous n'avez pas encore été étonné par la puissance des Rothschild, et vous l'êtes certainement, veuillez noter qu'ils sont derrière toutes les guerres depuis Napoléon. C'est le cas depuis qu'ils ont découvert à quel point il est rentable de financer les deux parties d'une guerre. Et depuis lors, ils le font tout le temps. En 1849, Gutley Schnapper, épouse de Mayer Amschel Rothschild, « Si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas. » Le monde est donc en guerre parce que c'est très très profitable pour les Rothschild et les banksters leurs alliés parasites. Et tant que nous continuerons à utiliser leur argent, le monde ne vivra jamais en paix. Il est important de noter dans ce contexte qu'il s'agit d'une société secrète sectaire et non d'une conspiration juive, comme beaucoup le pensent
et se laissent conduire à la discrimination raciale. Même si ces banksters se disent juifs, ils ne le sont pas. Car le vrai juif n'a pas le droit de revendiquer des intérêts, selon Genèse 25, verset 37. Tu ne lui donneras pas ton argent contre des intérêts, et tu ne lui donneras pas ta nourriture contre un supplément. Il est choquant pour beaucoup de découvrir que les États-Unis d'Amérique sont une société dominée par des étrangers. Son nom d'origine était Virginia Company et elle appartenait à la couronne britannique. Cependant, il ne faut pas confondre la couronne britannique avec la reine, qui n'a en grande partie que des pouvoirs cérémoniels. La couronne britannique a transféré la société au Vatican, qui lui a restitué les droits d'exploitation. Les présidents américains sont devenus directeurs généraux et leur rôle est de collecter des fonds pour la couronne britannique et le Vatican, qui perçoivent leur part des bénéfices chaque année. La couronne britannique gouverne secrètement le monde à partir d'un État indépendant et souverain de 2,9 km², connu sous le nom de City of London. Cette autre couronne est constituée d'un comité de 12 banques dirigées par la Banque d'Angleterre. Devinez qui contrôle la Banque d'Angleterre? Oui, exact, les Rothschild. En 1815, Nathan Mayer Rothschild fit la déclaration suivante. Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette est placée sur le trône d'Angleterre, le royaume où le soleil ne se couche jamais. L'homme qui contrôle la masse monétaire britannique contrôle l'Empire britannique. Et je contrôle la masse monétaire britannique. Ce n'est donc pas une simple théorie de conspiration, mais la maison Rothschild se trouve en fait au sommet de la pyramide du pouvoir. Si l'on fait des recherches approfondies, on découvre qu'ils sont le cerveau du nouvel ordre mondial et qu'ils dominent complètement d'un agenda mondial. Ils sont derrière l'Union européenne et l'euro, et ils sont derrière l'idée de l'Union nord-américaine et de la monnaie améro. Ils contrôlent tous les services secrets du monde et leur armée privée est l'OTAN.